Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros, ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bucks les potos. Pour y participer, il faudra être là soit l'après-midi à 17h ou soit le soir à 22h. Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important, les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale. Alors regardez bien le skin que j'ai, regardez bien comme il est, regardez son torse. Franchement je vais vous montrer un truc de ouf. Et voilà maintenant regardez son torse, regardez, vous voyez qu'il y a une évolution quand même. Une grosse évolution. Et ben ça c'est tout nouveau dans Fortnite Battle Royale. En fait le héros de base qu'on a, on va pouvoir le faire évoluer en fonction de nos niveaux. Mais pas seulement l'héros de base, même l'héros de fin. Donc je peux vous montrer une photo à la fin, mais ça je vous la montrerai à la fin. Alors tout d'abord on va parler du premier personnage. Donc premier personnage, on le débloque directement de base. Vous pouvez voir qu'en bas à gauche, donc sur l'image ici, on peut voir que sur son torse il n'a pas des épaulettes quoi. Et bien là en fait moi j'ai mes épaulettes. Donc comment j'ai fait pour avoir des épaulettes? Ben c'est tout simplement ça, carburo. En fait, dans le truc carburo, vous pouvez faire des défis. Et quand vous avez réussi à faire tous les défis, au fur et à mesure, votre personnage va s'améliorer. Donc regardez, atteindre le niveau 10 de la session, de la saison. Donc j'ai atteint le niveau 10 et j'ai débloqué les épaulettes et le torse. Donc là, en dessous, j'aurai les jambes. Après, j'aurai les bras. Puis après, j'aurai le masque. Et puis après, j'aurai carrément le bust, donc le ventre, quoi. Donc là, ouais, c'est vraiment les épaulettes. Et après, ben, j'aurai les abdos. Parce que je pense que j'ai pas les abdos. Bah ben, si, j'ai les abdos. Donc le dernier, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, je vais un peu regarder. Qu'est-ce qu'il y a de différence avec ce que j'ai déjà? Je ne sais pas. Je vois pas trop la différence. Mais bon, je suppose qu'on débloquera sûrement quelque chose encore au dernier niveau. Alors, pour le dernier personnage, il faut savoir que lui aussi a des trucs à débloquer. Donc pour pouvoir débloquer toute la tenue du dernier personnage, il va falloir faire les défis qui se trouvent juste ici en dessous, donc les défis d'Omega. Donc je vous affiche à l'image une press screen d'un site internet que je mettrai le lien en description si jamais la source vous intéresse. Eh ben n'hésitez pas à aller voir en description. Donc dans cette source, il a réussi à avoir les codes sources du jeu. Et dans ces codes sources du jeu, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit l'évolution du personnage. Donc lui aussi, on va pouvoir l'évoluer. Après, donc, ce que je me dis, c'est fait partie de l'ensemble Omega. Vous voyez en bas à droite, il est marqué style à déverrouiller, tu vois. Fait partie de l'ensemble Omega. Alors quand on regarde les autres personnages à débloquer, eh ben, il est marqué fait partie de l'ensemble gang de l'aérosol. Par exemple, pour celui-là. Pour le premier, il est marqué fait partie de l'ensemble forces avancées. Bon, après il n'est pas marqué style à déverrouiller comme les deux autres personnages, donc je ne pense pas qu'il y aura des trucs à déverrouiller pour ça. Mais voilà, ça c'est un début le pote, c'est un début, ça veut dire que peut-être sur les prochains skins à venir il y aura des défis qui vont rajouter pour pouvoir l'améliorer au fur et du temps qu'on joue. Donc plus on sera à niveau élevé, bah, plus on aura des trucs débloqués. Donc franchement c'est vraiment insane et je kiffe ce nouveau système. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous kiffez. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer aussi? Imaginez des skins avec des évolutions de ouf. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire ce que vous pensez. Ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, ben, j'ai tout dit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.